Voilà, les adorateurs de Isis. Là, Isis, elle semblait être assez fatiguée. Avec l'arme, c'est le Moyen Âge. Voilà. Avec le bouclier de Templier. Et avec un bout d'or, avec un bloc d'or. D'or de l'ordre nazi suisse. Et là, là, elle est déjà couchée. C'est fini. Mais... ouais, avec la couronne de Isis. Donc les adorateurs de Isis en Suisse. On voit ici également que la Suisse est vraiment le Moyen Âge, avec le bloc d'or, avec Isis, avec l'arme. Elle va tuer qui? Hein, les étrangers, elle se prépare pour le dernier combat qu'elle a déjà perdu apparemment en avance, avec le bouclier des Templiers. C'est le Moyen Âge. Voilà. C'est le Moyen Âge. Dans leurs pensées, dans leurs actes, ils sont violents, ils sont agressifs. Ils aiment les armes. Et... ouais. Nationalistes. Donc les Suisses, les adorateurs de Isis, comme dans leur nom, Suisse. Suisse, sœur Isis, les sœurs d'Isis. Allez voir le Pharaon Show pour savoir plus. Hein? Y a encore quelqu'un qui a des doutes? C'est comme le statut de la liberté, c'est Isis. Donc c'est le fin mai 2012, c'est la dernière campagne suisse qui joue à ce moment. Ça, on dirait que c'est une campagne pour défendre le Moyen-Âge. Alors on peut voir très clair que les Templiers et Isis, ils sont connectés, ils sont branchés. Hein? Ce sont les Templiers, voilà, le bouclier, qui travaillent pour Isis. Donc il y a trois choses. Les banquiers avec l'or, les Templiers et Isis, les pharaons. Voilà, voilà. Ils travaillent tous ensemble. Comme ici. Donc donc ici on voit parfaitement les trois ailes. Donc là, les banquiers, l'aile financière, l'aile militaire, les Templiers et l'idéologie, la politique, Isis. C'est comme ça qu'ils travaillent là, les Suisses. Les sœurs d'Isis. Et ici, mai 2012, les adorateurs suisses d'Isis se promènent même avec une poupée d'Isis. Ça doit être clair également que Isis et les Templiers, comme on voit leur bouclier là, en Suisse, sont un et la même chose. La même chose. Et en même temps, ce bouclier des Templiers venait par courrier dans chaque maison, dans laquelle il parle uniquement de l'argent et comment obtenir le plus de l'argent de la communauté européenne.